Usilizo tu kufuhesha libro de Komor. Assalamu alaikum Muhammadi, namna mwona onga sa direct ya makatianu da sina o mazomano wa hii likungumanyu na hii mabeja panafrikanizmu kwa uu wakubali huji harumaji shen libro de Komor jari hadisi da sina we surturu warumishi mbabi paske ruonu harumaji ntuza mshazunu wafanya o kampanye de sensibilizasyon ya hayo wana wa Komor harumaji midja hii Faransa ya usi na gwanze waja u ruonu masulaha yu wapara usikwa lo unu rijeri hadisi da sina u warumishi ya zila mbwana za u ubahu mzili yo ni namna zenda u hai zonga tu mumbani nyo wa himlo indirect mpartaje hawi nji ilo wa Komor kwa wajunda u hondani na wajunda u gwanze wajua nge emisyon inu ka onga rubu mungu unungwezi nji riza borde banu usikwa lo unu hai zonga rjo risalamu harumwe mevite wa hatu rifanye turu ya hitablo ri na presentasyon assalamu alaikum watukufu alika salamu de se kaira de se avec d'être bichida et présentation ge jonji harma yamada ya humnofu ya emission wa marhaba kwezi watukufu wa Komor wa nyimlio nsiju Komor na nyimlio mwinze diaspora ya Faransa ya Senegal na ya dunia wa mafia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu vavo rija leo rakojo hadis mpavi rimambie ni zizorifikirio uhusu inti yatu na maendeleo ya leo ya siasa alio leo rimambie ni zo zifikira zatu kwezi vavo nsi mba mwananyasi vice president wa i conseil national pour la restauration de la république madame Sania kwezi aya una mrongo kwezi assalamu alaikum donc je me présente Sania Soumani. Je suis la vice-présidente de la CNRR. Je suis aussi la présidente de Mabedia panafricaniste. Et je suis aussi secrétaire générale d'Europe de convergence panafricaniste. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis vraiment dans tout ce qui est panafricaniste. Je laisse la parole à mon confrère coordinateur Fawzi. Merci. Watukufu wa Komori, Mbushiru Niheri, Nibanum Liyo. Soit ni mlo masiwani wanazijana ro wazaze ro wababa rane waluhunu wahe diaspora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je m'appelle Fawzi Amada, je suis le coordinateur du CNRR, membre de Mabeja panafricaniste. Le CNRR c'est quoi? C'est le Conseil national pour la restauration de la République aux Comores, et c'est un nouvel outil dans lequel on va vous expliquer, on va rentrer dans le détail ce que c'est, et je vais arrêter là pour la présentation. Merci. Ok, merhaba. Watukufu kama brudunga waharma ya shen de Komor hama de namna rwanda enu kana partage hawi nji ili o wanu kao doa tunre bahati wa pasaze notifikasyon waji wa dunge emisyon inu kao doa mba urifanyi bati manani kao nga mjua uke mabeja wanu wanu kangwa wanao ni politiki ni rejimu wa imu wa dola Azara Osman pas uniquement il m'aide là à la semaine mais des systèmes bi et kaungio homaswani yo de mano kao osqualo roi para il wa jewar mishie zila hazu kao do zifanya awe makatiano parce qu'on va faire une sensibilisation gwanja au harmoni miji mihuya he faransa ngwe voyage au hawinji à l'étranger ou renda no tsaha ze force zao ili wawane ni regime ya himuhedola Azal Asman gardjohan bisari mrunishie mbabi kengjo mpermete rifanya bila ya he tourne ukaundu mfanyao imakateano munu ulaya na Europe ne zensi za kijen. Marhaba kwezi, marhaba chen libre de Komor wanyi wantrika mba msi saidi ya kabisa zijiriwa Komori ili wanadamu walio Komori na walio duniani wazijue. Yo shukrani rubavu na hazi muifanyao hazi panda mwana ikomba zilivwa mwezi mudali na zomana ini hazi yashi watwani de muifanya wajao kwezi maordehalu wazurongowari CNRR i Conseil National pour la Restauration de la République ikaomba ini shini shama sha shili sha bulavasa shilio harma i fikra yayo de utaha iwane na yezi mbovu ilio Komor na utaha amba i Komor lewo ilawe
harmo system ikaomba de yai wa yakensi amba insi ya harma tambu tena wanwaita walia leo wasizidishi ya tambu donc i conseil national ini ikensi ili ishinde iwane na tambu zo itowe yezimbovu ilio Komor et puis ishinde itie system ikaomba wa Komoro waselewa amba insi kweli idungu nzia njema hazizo ri andisa rifanya msafara mfumolo wa vira yani du 10 au 16 c'est ça rifanya msafara harmo insi ntukufu ya Mali rakwenda raone madhamana wa insio ruone inamna wafanyao ili risome izizo wafanyao zirive msomo rishinde meso labda na kamwezi mga wavenze rizi fanyi harmu insi ya tu Komoro rono ntongo nyengi ikomba kweli ziriva msomo ristumaini na tena mba msomo uo uwa wa madhamana wa Mali warirenge namna amba shunanya kabisa warirenge shunanya na hujua amba insi yatu ya harma tambu mana tambu zino wa virivan wazi yeshi wajau donc wakama sensible na izi izorawambia wazelewa tena wasijue namna ya hufanya atari ripare malalao ya mawade liona yu Komoro vala yone ntongu ya handa Unu rija leo rije rambi wa Komoro wake ambarfanya msafara unu manazi karsina ntongori iti tao riufanya hali dzina la inti yatu rende risi dafu namna yatu ronao ambartoshina ri dafu tailawe hama stambu leo riregea risi taha maurde halu wazurongo wa mananyasi Said risingi harmo emiji ikaomba wa Komoro ni waishu ruwa ileze zifikira zatu zini na inamna ravola msomo ripartaje na wao taruone zinzia soko masla rishinde ritoe nzia tungamani yangia koma inamna wa Komoro wa reponde inamna ila kampanya hanyo kama sensibilize wa mwakeyo ni inamna jee akeyo kwa mreserve yangu wa Komoro wa hashiri amba inti harma tambu wa hashiri amba ilazimu watu wafanya za ufanya watowe irejimu inilio watowe na system ya hensiwa na madhalimu walio na inti leo ili watu watahe wapare nzia ya utowe nzinga mani wa Komoro wa hashiri fet sekifeke wao wasiri vulishia na wanana toma wana mnaje ils sont prêts au cas où ma compagnie ni au juste que voilà ngwele wawe ze en Jésus lui et puis ça s'arrête là ewa wa Komoro zaanda waselewa na hiyo ni muhimu waselewa ze en Jésus dio wasijua na ajali ilinda wainsi mesorenda vao zabaki o wanadamu wa harma tambu wa siri ya zoro zao mana waselewa amba azali na sistemu ya kasina ubishi wae mtaifanya tihe asi tulashivani mtaifanya tihe asulawa kavasi rono zo zajiri kavasi mtu kaselewa sistemu ba wao watayari azali atayari auwe ne abaki harmo yezi na yu wa Komoro kata walata maishao mtasuwe leo donk be Risiju wamba vani mwanadamu waende ta zintongo zumpara umyoju wayo uhibu imauti. Risifikiri mba wa Komoro ilazimu waelewe mba kavasi mtu ato lao ingunaja wa saidi. Wao duwa lazimu waime wa wane na yezi mbovu ilio Komoro. Maori vani ini watahu wa leo waenda lave ya mini warenge azalea renge tena mahamitani iyo ajali. Lazimu wa Komoro waime wamzi azali asifanye tena prestation de serma ambasi asirenga yes
lazima wa Komoro wajitoe fidia wazie ntongo hiyo persona haluanya wafanya uzinzi wasiwana ili wa watawe uzinzi zao sidumbe ngamani na fuke de stambu watu wa wananazo be inzi hulumba ngamani mutlak amba kashinda raitoa yo wa Komoro lazima waelewe ntongo hiyo wa dafu inzi yao ikamu msivu wakumori, wakumori dawa. Dwa londani, dwa lobo ndene, ndao ndao pia. Hususan, vavo wananya watoja wa ileze, be hususan dwa li wakumori. Oui, tout à fait. Moi, je pense que le président, il a très bien expliqué la situation, l'objet de notre voyage au Mali. Le Mali, c'est pas un hasard, parce que nous sommes des panafricains, et on est allé dans une terre panafricaine. Et le Mali a une vieille histoire étatique, et il a des similitudes avec notre peuple, c'est-à-dire les Comores aussi, on a une vieille histoire. Et cette vieille histoire, on peut le rappeler, hein, il y a eu les royaumes de Babara, le royaume Sangaï, etc. Et nous aussi, on en a connu deux, trois systèmes, d'abord le système Mabéja, hein, qui a précédé avant les Chérasiens, et ensuite le colonialisme. Donc on a des similitudes. On a des similitudes par rapport à la religion. Et ce voyage panafricain était dans l'objectif non seulement comment dire, d'observer ce qui peut être utile à notre pays, mais aussi de soutenir les panafricains. Les panafricains et notamment l'AOS, c'est-à-dire les États, l'Alliance des États du Sahel. Et donc, c'était l'objectif d'aller au Mali. On a été très bien reçus et on pense que la jeunesse comorienne a compris le pourquoi on est allé là-bas. Et effectivement, on ne va pas détailler ce qu'on est allé rechercher, etc. Mais on sait que c'est la seule solution, le panafricanisme, qui va nous permettre de nous débarrasser de l'impérialisme et du néocolonialisme en français qu'on connaît chez nous depuis la colonisation, comment dire, depuis l'annexion de Mayotte depuis 1841 jusqu'à la colonisation, jusqu'au néocolonialisme, et en passant par là, les assassinats de présidents, etc., par Bob Denard et les services de l'État colonial. Et donc, on sait que pour nous en sortir, on a besoin d'observer des États qui sont en phase d'atteindre leur souveraineté. Hein, d'atteindre leur souveraineté. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les Maliens ? Ben, les Maliens nous ont très bien reçus. Ils ont été exceptionnellement étonnés en regardant d'où on venait et comment est touché, d'où on venait et d'où ils viennent. Ils ont dit, vous avez parcouru 9000 km, vous venez d'un pays qui est à 9000 km de chez nous. J'ai dit oui, parce qu'on a compris ce qui se passe ici. On a besoin qu'on nous aide à nous débarrasser d'un régime qui est le régime d'Azali et de son clan et de sa bourgeoisie politique, qui a pris en otage le pays. Ils sont prêts à vous aider, les Maliens ? Ils sont prêts à nous écouter. C'est-à-dire après... C'est différent. Écouter, aider, c'est pas la même chose. Oui, ils sont prêts à nous écouter, mais aussi à nous aider. Et dans ce qu'ils peuvent, justement, dans la limite de ce qu'ils peuvent nous aider. Hein. Mais ils ont apprécié ce geste géopolitique parce qu'ils ont compris qu'on a compris dans quel monde on vit. Hein. Et il y a deux mondes, il y a le monde occidental, il y a le monde multipolaire. Et dans le monde multipolaire, il y a des opportunités pour nous, les Africains, il y a des opportunités pour les Maliens, il y a des opportunités pour nous, les Comoriens. Voilà les choses. Donc, toute personne intelligente, c'est pourquoi on est allé là. Et pourquoi on va continuer. Voilà. C'est quoi la différence entre le panafricanisme malien et les vôtres ? Aucune. Nous sommes des panafricains. Eux, ils se battent pour la souveraineté de leur pays. Quand on dit qu'on a des similitudes, c'est que leur territoire a été... le nord a été annexé par des séparatistes qu'on connaît, les séparatistes Touareg, soutenus par les impérialistes, français, américains, qui, eux, tout le monde le sait, ont assassiné Kadhafi et ont libéré le terrorisme
pour un seul objectif, occuper le nord Mali et occuper les richesses maliennes. Il y a des similitudes chez nous, parce que on a notre île de Mayotte qui est annexée par la France et qui est titulisée, avec un visa baladur, on appelle le visa de la mort, qui est titulisée pour justement influencer, faire de l'ingérence et créer des régimes néocoloniales chez nous, notamment le régime d'Azali. C'est un régime néocolonial. Et c'est ça. Et c'est cette rupture-là qu'on veut faire. Parce que eux, on voit que eux, ils ont presque arrivé à leur Absolument. mission par rapport Absolument. à vous, quoi. Mais c'est un grand peuple, les Maliens. Un peuple fier. Un peuple qui a une histoire très très longue. Un peuple résistant. Un peuple panafricain. Il faut vraiment leur rendre hommage. Et nous, on est aussi un grand peuple, bon, petit en nombre, mais un grand peuple aussi. Donc, y a ces similitudes qu'eux, ils subissent l'agression néocoloniale. Nous, on la subit tous les jours chez nous. Et Azali permet ça. Voilà. Et donc, la jeunesse comorienne, parce que tu as posé la question, est-ce que la jeunesse comorienne comprenne ceux qui ont 22, 23 ans, 24 ans, 25 ans, ceux qui se sont battus, hein, ils ont compris. Ils ont compris que le monde a Qu'est-ce changé. que vous avez appelé, compris? Ils ont compris quoi? En fait, ils sont prêts à venir vous aider ou qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris qu'il faut qu'ils défendent leur pays. Ils ont compris que les vrais patriotes, c'est eux. On a vu qu'il y a eu des soulèvements. Président l'a dit. Je m'arrêtais parce que je parle un peu trop. Président l'a dit. Il y a eu un soulèvement, mais la pseudo-opposition ne l'a pas soutenu. Hein? Ils se sont retrouvés face à eux-mêmes. C'est-à-dire face à eux-mêmes et nous les militants, où on a essayé C'est ça les d'apporter notre signes aide. que la jeunesse comorienne Ils ont a compris. compris, ils ont compris, ils sont conscientisés, ils comprennent ce qui va se passer. Et donc, cette pseudo-opposition, on comprend que ils sont issus. Comment on pouvait expliquer des gens, en 40 ans, ils n'ont pas trouvé des solutions pour nous sortir de la pauvreté, ils vont le retrouver demain. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ils se moquent des Comoriens. Donc la jeunesse a compris. Les femmes ont compris. Et c'est ces gens-là qui doivent se mettre au combat. Et c'est ce que nous, on a vu au Mali. C'est la jeunesse, les femmes qui se sont mobilisées pour chasser le néocolonialisme sur leur terre. Et ils ont réussi. Et ils ont beaucoup d'autres choses sur lesquelles on peut apprendre et s'éduquer. Parce que nous, notre avenir, il est dans le continent. Il n'est pas à 10 000 kilomètres. Même si on a une forte diaspora, notre avenir, il est dans le continent. Voilà. C'est quoi l'urgence? C'est quoi l'urgence? Oui. L'urgence, c'est se changer ce système. C'est ça l'urgence. C'est-à-dire. C'est-à-dire que Azali doit partir déjà. Parce que son système, ça va pas. Son gouvernement, ça va pas. On le voit, hein, le peuple en a marre. Et ils n'écoutent pas le peuple. C'est ça le gros problème. Il faut écouter le peuple. Le peuple a dit, on en a marre. Stop. On veut un changement. Il ne veut pas écouter. Donc aujourd'hui, je demande au peuple de se réveiller. Et ça, c'est surtout les femmes et les jeunes. Moi, je dis la vérité, c'est les deux. Cette deux générations, c'est eux qui vont réussir à faire sortir Azali et son système. Vous pensez que la femme comorienne, elle a un rôle à jouer aujourd'hui Elle à a ce un stade? rôle. Sans elle, on peut rien faire. Vraiment, sans elle, on peut rien faire. C'est vraiment la femme comorienne qui peut réussir à cela. On a déjà vu des femmes comoriennes qui ont manifesté, qui se sont battues. Elles étaient vraiment à fond. Les jeunes, pareil, on les a vus, ils se sont battus. Et ils ont resté 2 jours. Ils ont pensé que les opposants ou quoi, ils allaient un peu les aider, fournir des choses ou quoi, mais rien n'a été fait. Ils ont dit, ça sert à rien. Mais là, moi, aujourd'hui, je leur dis, vous n'avez pas besoin de ces personnes-là. C'est à eux de foncer et ils vont réussir. Parce que Azali, je suis désolée, Azali, son gouvernement, ils ont peur en vrai. Ils ont peur. Mais vu qu'ils ont l'armée, ils font semblant et tout. Mais en vrai, il y a cette peur. C'est pour ça que tous les soirs, là maintenant, vous voyez, il y a l'armée partout. Dans nos 3 îles, il y a l'armée. Ils sont partout. Ils vont pas lâcher l'affaire, mais le peuple, je sais qu'ils vont pas lâcher l'affaire. Je suis certaine qu'ils vont pas lâcher l'affaire parce que là, ils sont vraiment, vraiment fatigués. On n'en peut plus. Vous voyez des Comoriens issus de la diaspora y aller insister à l'investiture du 26 mai, vous dites, ça vous. Ça fait mal. Désolée, ça fait mal. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça vous choque? Ça me choque, oui. Vraiment, ça me choque. Parce que eux, ils voient même. La diaspora, nous, on est ici. Dès qu'il y a un problème pour nos, pour ceux que notre famille qui sont
au pays, on est obligé à chaque fois de leur envoyer. Mais l'argent, ça tombe pas du ciel. On travaille, on n'a pas de vie en vrai. Vraiment, on n'a pas de vie. Tout notre argent part. Moi, depuis mon enfance, je dis la vérité, ma mère, elle travaillait et tout, elle s'occupait bien de nous, on mangeait ou quoi. Mais la majorité, c'était aux Comores. C'est sa famille d'abord. Après, nous-mêmes, on est jeunes, ouais, mais pourquoi tout le temps, le Comore, le Comore, le Comore? J'avais pas trop bien compris quand j'étais jeune ou quoi. Je dis, ouais, tout le temps, elle pense qu'aux Comores et tout. Mais en vrai, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. C'est toujours pareil. Alors que non, notre pays, elle est riche. Vraiment, elle est riche. On peut faire plein de choses à ce niveau-là. Maintenant, nous qui sommes ici, notre tête, elle est là-bas. Moi, j'espère retourner aux Comores, faire quelque chose là-bas, de l'agriculture, par exemple, du commerce. Il y a plein de choses à faire. Il y a la pêche, il y a plein, plein, plein qui peut nous permettre de nous enrichir. Et là, j'entends beaucoup de jeunes de la diaspora qui pensent à aller là-bas être entrepreneur. Donc, moi, avant, jamais de la vie. Nous, les jeunes qui sommes nés ici, ah, non, on va jamais vivre aux Comores et tout. C'est la misère, c'est le truc. Mais à force de voir, même si là aujourd'hui il y a la misère et tout, mais on sait que maintenant pourquoi il y a la misère? C'est par rapport à ce système. C'est ce qui nous a empêchés. Et donc aujourd'hui, on sait que si on enlève ce système-là, on pourra retourner tous au pays et la développer. C'est ce qui manque. Je trouve que quand on a une chaîne libre de Comores, on a une chaîne libre panafricanisme. J'ai du mal toujours à prononcer. Panafricanisme. Maître, Oui. Et le CNR. Oui. Qu'est-ce que vous craignez? Vous mettre à la situation. Non, Zondria, en Syrie, les Comores ont basculé à la violence. Naïde, nsi wantu pia wasijua mba nsi ya usalama. Komor, kaya paroka na zi violansi zini, nyangu azalaringa yezi. Na kade waye waye, na ijeshi lahe huwanadamu, au hufunga wantu, au vavo, nsifikira mba wa Komor, watuenda tawapare jarada. Amba walede zini sani ya korongo amba walemewa watota wajidafu mana yezini le wazalata unu mawangavi 2016 ta uparaleo wanzuan ka guverne wala ka wasifiki wa guverne yuke itokiri namna yo ini isijotia rohombi wa Komoro ha, ne haki waelewe amba wawantu kwamba Wakomoro wafikiri mba toujours wana wavamoja wantu wavamoja wa nsi moja dini moja wantu waloleana ile nsi nzima peuple ifikirayo leo azali asongesa ifikirayo va wantu waenda wahi sampushiana na huyo donc hiyo hatari nziro. Na vavo sodu ngao de ukamba de hu jidefande wa Komoro watu jidefande ka watu kubali wafanywa rejimu ya wafaume watu famia au clan irenge insi wairenge mateka namna ini wahendesa mauru wao de wenza akili weke wansiju au de wenza wastaarabu wansiju yoke itokiri na inde hatuari ili Komoro azali atoja atampu insi. Na hiyo randu so erongoa. Be, vantua fikiro mba ini mirongo, rito diwaza, rito rongoa hali ntarlemewe. Yo de helwa fikiro. Azali msaidie belu, vantua wasifikiro mba, na mlagweta mlemewe, na wasi nanti. Yo hatuari. Inde iriski liyovani mananyasi Said, amba wasi risizi rongoa. Na wambia wa Komoro mba, dalaoli liyovani wa hujuha. Ujua leo azala ziwe asifanye investitura taifanya. Ahi na kaka ifanya vavo
wala wa Komoro wasikiri wamudukandu waizie avant yokaya ifanishi waizie avant yokufanishi ha sont prêts maître ça wa ngwalinda wa wandu ngwalindo wa jeni wende mwambu basi tout est possible harmaze tout est possible wa Komori lazimu skuzija ovani meso badameso waime wa paralyze inti wantu wata waje madiktateur wananya wata waje waelemba Komori iparalyze Iparalizi nti vazi namna pia. Relewa na. Yudil dala olio. Wakomoru wa siji no sengiza mbavale va ntuwa tola ovanu. Waje node wawawo. Walazimu wa ime wajidafu. Maana intile ituangamia. Na wasi pia rato kama responsable. Maana rumulisha azali afanya. Azali wae mtu. Un dictateur ou un chukamba, ou un kasifikir katine mimbahe, na wahe, na jit. Waya tayar leo, inti, ya ingia marba tarenge ya vio na wana wahe na mshe wahe na ajimazai waende zao. Yo di hali rizono, tarehe ya dunia di hali ya inisa. Rizono Benali, Tunisi, rizono mtini, comment il s'appelle, mtini Egypt, rizono pia mtini Mobutu, rizono. Donc, dictateur, wae, kasina inarina perdre. Soit asba kivale, antongozae alas tahozende, awa sona by peuple yimi, isi jidafu, atawa endeza. Minga wangawe marisizo yukaya ungu amba ukaya henu mbujula uza mwana mtsiha la uzanza fanye betizi buharibanu kwa nomba nafasi. Esike yu tena yu kiti... Urongoe lafzi Said marisizo. Marisizo yani uterorize wantu. Urisiza mtu. Be irealite angina azali kato shinda arisiza 400 a 500 mil komorien. C'est impossible. Waye dictateur, waye criminel, awa bekashindu wa 50 000 Komorien. Inde problemu iliovani. Wanyawe, washinda wajilibere harma idunia, wao vafu antu, wala wafidia. Vozizi, irisirongwe Mali vani. Exemplu raloe na Mali. Basi Mali, avant ya uja, inti stabilize, vafu antu, vafu mashababi shiri na wararu. 2020. Quand on me suit, il faut aussi des sacrifices. C'est ça, des sacrifices. Yo des noms là. Ou en tout cas, Syrie, ou Zorobabe, ou Tiadam, ou en tout cas, normal. Ha, ou en tout cas, ou en Guanawa, ou en Obina Damwa. Azali, Arende, wa Shenzi, wa Ruma. Arto, Obina Damwa. Hakwil. Kulam Komor na Fikiri, amba Azali, Arto, wa Komor, Obina Damwa. Na rirecherche dignité atu na ubina damu atu. Iyo de ya waje mazatu mamalie waifanya. Mamalie isondini. Wati damu, wati leo isondini. Mana watowa wantu waluwa kwa tili ya zingiri, wasi na lamuhe lezini vasan manama koordinateru wa CNRR Fauza Korongo wamba nariji debarase na eta kolonial. Mana hiyo wa jorwa moja na azali usele mana vavo yani wa moja eta colonial na azali jorwa moja donc wantu wao lazimu wantu awarenge wati sawa sawa na harma kanga dzima na azali tout ça répondre namna je ma chenu ndi kangwa mba ukaya oui c'est vrai mais ngarwania ondo parce que wandro pia ba ha wandra joania o wandu kao wa rumu dona zalio wandu sele même système je ne suis ndi kwa tina espoir ya au kwa tsono ka atanga katengresha kwa ukaya kartine suman sonko wa mkomori qu'est-ce qu'il faut répondre au discours amanda hizo kao ge circuler au winjar même jeune et jeunesse il faut répondre que c'est vrai au Comore on a un problème de leadership. Et ça, c'est la vérité. Celui qui ne le constate pas, il se trompe. On a un problème de leadership. Et que, par rapport à ce que les jeunes y disent, qu'on est habitué à mener un combat pour quelqu'un d'autre. Mais le sacrifice que Mousslim et tous les autres qui l'ont fait, ils n'ont pas mené ce combat-là pour d'autres. Ce sont des Mgunawarem, ce sont des leaders. Ils se sont dit, nous, on est des leaders dans ce qu'on est en train de faire. Moi, j'ai envie de dire à la jeunesse comorienne de ne plus chercher un leader. Eux-mêmes
doivent se constituer un leadership. Et justement, nous, dans cet outil où on s'est associé, cette coalition qui est le CNRR, c'est une coalition avec Mabeja et le mouvement démocratique, Ndjoane Demaruha, donc dirigé par le président Abdallah Mchinda. C'est une coalition, c'est un outil. Et cet outil-là, c'est justement pour créer des leaders. On a envie de leur dire, ne cherchez plus les leaders, surtout ces anciens pseudo-oppositions. Ils sont en connivence avec ce système d'Azadi. Et quand on me suivait, Hana, jeune, quel leader. Absolument. Soyez des leaders dans votre région. Moi, je m'adresse aux jeunes. Soyez des leaders dans vos régions, soyez des leaders dans vos villages. Hein? Et commencez à réfléchir la manière où on va travailler ensemble. C'est ça. Et ne cherchez plus d'autres leaders. C'est vous-même qui êtes des leaders. Maintenant, nous, on met en place un outil. Cet outil, on aimerait bien le déployer dans le pays pour former justement ces leaders à mener cette révolution. Parce que c'est une révolution panafricaine qu'on veut mener. Si on dit on veut changer le système, si on veut détruire ce système néocolonial, ce mariage incestueux entre les régimes comoriens, où on a vu pas mal de présidents assassinés, où on a vu les ingérences de l'État français, les déportations de présidents, l'annexion de Mayotte, des morts et des morts, des morts aux Comores. Pourquoi faire? Parce que l'État colonial, ce qui l'intéresse, c'est le sous-sol, le sol comorien. C'est ça qui l'intéresse. Sans les Comoriens, et ça, c'est pas possible. Il oublie que nos liens entre les quatre îles, maître, il l'a dit, ce sont des liens ancestraux, de mariage. Hein, les gens qui sont en juin sont mariés avec des Maorés, les Maorés mariés avec des Ngazija, de Moëlis, des grandes, etc., etc. On est une famille, on parle la même langue, on a la même religion, etc. Mais il y a un intrus, c'est l'État colonial. C'est celui-là qui manipule, avec ses outils, ses médias, son éducation. Nous, on veut changer ce système-là. Alors, c'est pas évident, mais les exemples sont en Afrique. Et c'est pour ça qu'on est allé au Mali aussi. C'est aussi réfléchir à tout ça. Et donc, je dis aux jeunes, soyez des leaders dans vos villages, soyez des leaders dans vos régions, soyez des leaders dans vos îles. Ne cherchez plus de leaders. Parce que le leadership, à l'heure actuelle, de ceux qui ont gouverné hier et ceux qui sont dans le système d'Azali, c'est le même système. C'est le système qu'on veut renverser. Pour que nous, on reprenne notre dignité, les dignités de nos ancêtres, ceux qui se sont battus. Hein. Alors je pense à ceux qui se sont battus pour nous redonner ces dignités. Je pense notamment pour l'indépendance, les gens de Moulinaco. Ils ont mené cette bataille. Nous autres, on n'était pas nés, on était loin d'être nés, mais ils l'ont menée en Tanzanie, un pays très important pour les Comores. Un pays très très important pour les Comores. Alors voilà, c'est tout ce qu'on veut dire. Je ne vais pas aller trop loin, mais c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça, par rapport aux jeunes. Il faut absolument se mobiliser et ne chercher plus de leader. Parce qu'on voit aussi Voilà. des jeunes qui préfèrent fuir le pays que rester battre. C'est ça aussi qui est plus inquiétant. Bah, Qui justement. préfèrent aller traverser la Méditerranée, qui préfèrent prendre des risques énormes pour venir en Europe, au lieu de rester, c'est défendre le principe ou défendre. Bah. Nous, on est un peuple qui aime voyager à la base. Il faut regarder, nous autres, on a lu dans les livres, on a compris que c'est un peuple qui aime voyager. On a cet ADN de vouloir voyager, d'aller voir, d'aller apprendre ce qui se passe, soit dans le continent, soit dans le monde arabe, soit en Europe. Maintenant, il y a ce système néocolonial qui a appauvri les Comores, qui a créé une misère. Et cette misère, elle est liée à ces régimes qui sont baignés dans l'injustice, dans l'égoïsme, hein, et dans la corruption. Et ça, tu ne peux plus créer de richesse dans un pays. Et donc, qu'est-ce que les gens veulent? Ils cherchent de quoi survivre, de quoi aider leur famille. Est-ce qu'on peut leur reprocher? Non. Non, pas du tout. Alors, il faut comprendre ça, qu'il y a à l'intérieur de ces jeunes des gens qui veulent acquérir des connaissances, qui veulent apprendre, mais des gens aussi qui veulent sauver leur vie. Parce que la situation au pays, un pays où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, où il y a des injustices criantes, pas de justice, mais c'est une justice. Par exemple, la justice, elle est aux mains d'Azali. Une armée qui n'est plus patriotique, il y a sûrement des gens patriotes, mais elle n'est plus patriotique, elle est devenue une Qu'est-ce que tu milice. dis à ces jeunes-là?
Allez-y, fuyez le pays Non, pas du tout. ou restez. Non, pas du tout. Mais en même temps, non. Nous, on leur dit que rassemblons-nous et créons les choses chez nous, dans notre pays, pour qu'on n'ait pas à aller ailleurs. Si on va aller ailleurs, c'est juste pour aller chercher de la connaissance et des technologies et les ramener au pays. Voilà. Mais si on reste avec ce système qui nous dépouille, hein, avec la monnaie qui nous dépouille, ces systèmes où on est annexé, ces systèmes où on n'a ni de moyens de survie dans l'île, nous on a des problèmes pour se nourrir, des problèmes pour l'électricité, des problèmes pour éduquer ses enfants, et les jeunes ne peuvent que fuir. Voilà. Et donc on a envie de se poser la question, qui fait fuir? Alors qui fait fuir les jeunes? Ce n'est pas de la faute des jeunesses, c'est la faute du régime et c'est la faute du système néocolonial. C'est ce régime qui dépouille le pays, qui s'allie avec cette petite bourgeoisie pour dépouiller le pays. Voilà. Donc, il faut dire la vérité, c'est ça qu'on est. Donc, on souhaite justement qu'on puisse travailler avec ces jeunes pour qu'ils n'aient pas comment dire, à quitter le pays. Mais pour ça, il faut qu'on leur donne des perspectives pour qu'ils puissent rester au pays. Donc, il faut construire des usines, il faut construire des emplois, il faut créer des choses dans le pays. Et il faut régler les problèmes qu'il y a dans le pays. Et on a les capacités de le faire. On a la jeunesse pour le faire. Mais voilà. Samia akanga ati angarishi au wandu wengi wakati sana wamba kaya oui c'est vrai ça fait longtemps depuis 2016 Rwanda on bana inu kabati resultats zali toujours ngene armé ngena ze pouvoir zoti pia haro yango ndu ça sert à rien yo kaya on doit continuer un combat au jota on doit bien au jota ou répondre na maji de ce que la des utina wajia ou on doit ono ka ça fait longtemps un bana qui tu avances kabati espoir. Il y a l'espoir. Vraiment, il y a l'espoir. La première que je dirais, il faut avoir la patience. Vraiment la patience. Dieu Allah est grand. Il est vraiment grand. Donc là, on voit hein, rien que les inondations qu'il y a aujourd'hui, là, qu'on voit qui a le plus eu le problème, c'est le village du président. Je suis désolée, les autres, c'est vrai, chez moi aussi, il y a un peu les trucs. Mais vraiment, là, ce que j'ai vu à Mitsoudje, ça m'a choquée. On dirait que c'était une plage qui est devenue, après, il n'y avait plus d'eau, mais il n'y avait que des cailloux, des trucs comme ça. Donc là, moi, je dis, c'est la patience. Après, c'est à nous, nous, comme je dis depuis le début, moi, j'ai toujours dit ça, ce sera les femmes et les jeunes à se battre pour changer cela. Si on se bat, qu'on est tous unis, vraiment unis, là, c'est fini pour lui. Parce que le Mali, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils se sont unis. Il y a un truc que j'ai appris là-bas, c'est leur hymne national. Qu'est-ce qu'il dit dans l'hymne national? C'est d'abord l'Afrique, après Le le monde. Mali. Nous, on a toujours d'abord le Comore, ça reste entre le Comore. Tout ce qui se passe, c'était au Comore. Quand on est parti au Mali, quand on racontait ce qui se passe chez nous, ils étaient choqués. Ils ont dit, mais non, mais qu'est-ce que vous dites? Nous, on croyait que votre président, il est bien, vous étiez bien et tout. On entend dans les médias que, les médias, bien sûr, françaises et tout ça, que vous êtes bien, que ça se passe bien, un truc. On leur a tout raconté. On a dit non, 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 non. Il y a des morts, il y a des personnes, par exemple, le petit, comment il s'appelle? Muslim. Non, l'autre de vous venez de mon village. Ayman. Ayman. Il a été tué. Jusqu'à aujourd'hui, la mère, elle n'a toujours pas le certificat de décès. Est-ce que c'est normal tout ça? Pour dire comment il est mort. Ils ne veulent pas nous, ils veulent pas donner Certificat. le certificat. C'est pas normal tout ça. Dites, même si vous dites n'importe quoi, mais donnez un certificat. Mais ça, ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Donc chez nous, il n'y a ni droit, il n'y a ni justice, il n'y a pas de justice, il n'y a rien, il n'y a rien. Et c'est à nous maintenant, aujourd'hui, de changer cela. Et moi, je suis certain qu'on va On réussir. va y Donc arriver. moi, aujourd'hui, c'est vraiment au peuple comorien, ne soyez pas déçus. C'est comme ça. Quand ça va arriver, vous verrez, ça va tout changer. Mais ce sera grâce à nous. Mais il faut être vraiment unis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais demander à toutes les associations, vraiment toutes, que ce soit Mabedja panafricaniste, que ce soit Mabedja de l'autre côté, que ce soit d'autres associations, qu'on se réunisse
qu'on soit ensemble. Si on arrive à être ensemble, là, on va réussir. Au Mali, ils ont créé la plateforme. La plateforme, c'est quoi? C'est plusieurs associations, mais vraiment plusieurs, plusieurs. Ils sont beaucoup. Hein. Il y a une association de femmes où j'ai eu une liste de 52 personnes qui sont responsables, qui ont chacun un... Mais ils se sont tous réunis. Là, on ne voit plus ouais, moi, je suis telle association, je suis telle ou telle. Non, non. Ils se sont dit, si on s'unit, on va réussir. Et c'est ce qui s'est passé. Là, aujourd'hui, dans les médias français, on nous dit, ah, le Mali, c'est comme ça, nanana, nanana. Quand on est allé, on était choqués. Au contraire. Au contraire, ils ont une vie. Ils s'en sortent, ils commencent à se développer, ils font plein de choses. On était choqués. Nous, au départ, franchement, on avait un peu peur d'y aller. Parce que nous, on a entendu Mali, Mali, Mali. Mais quand on est allé, on a dit, mais c'est des mensonges. Et même eux, ils nous l'ont dit, oui, on sait qu'ils mentent sur nous ou quoi, mais vous voyez comment on est. On est ensemble, on est unis. Tous les jours, ils venaient nous voir, ils nous rendaient visite, on parlait, on racontait, chacun racontait un peu son histoire et tout. On a appris beaucoup là-bas. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment l'unification. Si on est tous ensemble, on va réussir à créer, à développer notre pays. Et la dictature, le système... Ça va être balayé. Maître Emma, Samia Zambabka, vous parlez de Gwambo, unité, unité. On a le sentiment aussi qu'on est perdu parce que Ngabo est combattu, Mabé Diarab est combattu, Frocomé, Ngabo est un candidat. Pourquoi Ahmed Dizo, Samia, ils ne savent pas, nous sommes unis, c'est ma fanya, force, Nzima, il y a un an et on y parle au dictateur. Oussidale, Fauzi, le coordinateur du CNRR, Arongwa chongo va muhimu kabisa. Arongwa ma opposition tahupara leo kayenye sasura ya udhama na utsoko wadzi. Atoa example ya majena utsijwa desania wakati majena wajisuleve. E opposition kaya waunga mono wa disparese. Vyo yontongo nzito. Yontongo nzito. Isone sa ambaleo wa Komor intongo ya handa ifanyao deficit tambu harumu inti ya tude ukamba wantu mauri wafika namba wasiparoka wadzima zini bera saha rangu 2021 ambari kewa moja opposition ke yun e indivisible kayam kinishia wasi Rija wakati Raju amba azali asijo panga uchaguzi wa Raju wa fet amba atsoibia zvote arongwe mba waida voti wa izo rizijwa ritaha mba antu wa sendaharu mavote wa kubaliane amba kasendaharu mavote risizizi ya zvote uono zajiri bantu watsampushiana wase wale les 5 candidats zangu combien waende mbali e franco mende mbali uzono zajir wasi leo tire les leçons rirenge msomo wazo zajiri rongwa mbano karitso kubali rakana wantu amba wasifikiri zitoka faida za nafsi zao auzi zoatsahao meso wakenayezi wa wakema president au ma ministre au yudi de shoko wasizo tsidetsao wasi wasurongwa termu isenereri rongwa ba wasi leo one désintéressé yani tafsiri ya vavo waskarta absolument raparanto ngortsar toi des systèmes Fauze zorongo. Eske senereri mbwa unge joshinda wa yote ifa yisha. Senereri, justoma, deima na ritao runganye na wananyasu wa Afrika. Bara la Afrika. Mana rele wamba hukayatu. Vala isu ala lao lo su ala de fond. Lo su ala jema kabisa. Bahi, sania zorongo artsanganye. Bien sûr, waskara paru haram tsanganyo. Deivora elewa. On est en train de prêcher dans l'eau.
Expression trop carciamine. Mana rita na uta. Leo, rongoamba, si velamono, zungue de wananya tu Afrika. Riskane mihono, rikombo e komor. Voilà l'objectif yatu. De mana, ra le wasi, on a toujours été des panafricains, vani rizidi, maziada. Mana rongoamba, leo, wa komor, tiraibu. Wasuuta msaada na nyasu Afrika, rikomboe Komori. Yote ya hibu. Vala hava anulio. Mana jemazatu, wari DCV. Hususu anuwa huatu. Katirambi ya bakarisenda harma vote. Wavuru, wasona mba, wasina hana de yezi. No, wasikata yezi. Wauraka harma imbana, bakarakwenda harma zivote. Ne waritrahi. Wafanya ntongo za utu. Le warukubali ya namba karsenda harma usilale Said il bunjilo la 9 janvier yote tu es dans la fikra nangu d'ailleurs nsuambi ya jemazangu leo ba moi j'ai pas fait mon deuil ya échec ya zorafanya hawana na système ya azali abasfanya zvote pardon j'ai pas fait mon deuil alors leo c'est lewa amba waje mazatu narike ile densi yatu nariwanie betide baina ba yatu rito iwania na wajeni wari tiaibu rono nsida zisaidi wadeza jikomboa wasit kaisi karisi fanya umizi wala karisi fanya rajudza yotide namna yo. Parce que c'est pas un combat perdu parce que c'est pas perdu. C'est le cas y a de nouveau diplomatique ongwa zizon chambo azali kasina diplomatie na karenge 2-3 dictateurs africains mana wavavo wasi asifanya sambla hija jitemba vale anana of ma chef d'état voto kama 7 chef d'état ile hurongwa mafiti za ma dictateur wavavo de wai wafana ona wai wavavo mais c'est pas l'Afrique c'est l'AES mana odwa tsa du Congo wa uliona ungwana mais l'Afrique c'est pas je cite mtoa moi toi so joie waono Halima Kisala bala yewa Vakamba Senegali, peuple ya Mablour, il joue au Zouafanya, Wambale. Azali, wakatutoja, na ma dictateur Walpier, il avenir ya Afrique, AES. Relewana Mjemazam. Donc, Leo yandi sanan sintaru, meso sokane, dans deux ans, sokasita, kumisaye, na yu wantu pia, si jouamba. Va mtsintaro aune zaingia zailawa harma i mtini mkalansizo wa mtawalifu uyo de Côte d'Ivoire yo de Senegal tsan walawa Côte d'Ivoire na jao watu wasizijwa va vose fini Afrique i serege harma hususia wao ike kontina ya parongwa na wao izo de zawasi wa komoritsa hao Leo, karisi kubali, wantu wa jakensi Faransa, walinda o Macron anda wa hensi, harumaziezi, karisi wataha. C'est fini. Relewa, rangui eshekia le 9 janvier, amba karashinda, rahima, shari na azali, relewa amba no, wajemazatu wa dingoni, yani, kawasina fursa. Ya uja wajari kili ebeli de zini koordinatora rongo. Kula mtu a leader harma i grupu ya henati. Wasi on peut être aussi des leaders. On peut aussi être des leaders. Wakati komba, wakomori, waele wazifikra zatu ne de zini riste keleza ulovan. Rilwa na Said. Rifrai na emisyon mana utouche point très important. Ne grâce à vice-présidente. Zarungwa wi waskara haram tuwantu na rije ritanganyie be na kaka kawaja wasi risive la monoru wazunge wa jemazatu walbara la Afrika ri warisaidie kombo enti ya tukamwa venzi ata fsele kia mwishili o metra pishin lezo amba ka il faut tourner le dos à la France il faut tourner le dos
pas au peuple français, mais à l'État colonial. C'est-à-dire que le peuple français est un peuple ami des peuples comoriens. On distingue les deux. Mais l'État colonial, il faut absolument le mettre hors de nuire. Parce qu'il nuit aux Comoriens depuis une longue décennie. Maintenant, on ne se base pas sur ça. Nous, on se base sur l'espoir que le continent donne, surtout l'AES. Le président, il a eu raison de souligner l'AES. C'est un espoir de souveraineté qui est basé sur on va dire, les trois objets fondamentaux de la souveraineté. C'est quoi? La monnaie, hein? C'est la souveraineté au niveau de la sécurité, c'est-à-dire le militaire, mais aussi l'équité et la justice. Et l'AES représente ça, représente cet espoir-là. Donc nous, on est allé là-bas faire ce geste géopolitique. Je dis bien, c'est un geste géopolitique pour dire que l'AES, ouvrez-nous à nous. Même si on est à 9 000 km, cette idée, c'est une idée magnifique pour le continent. Parce que c'est une idée qui va se débarrasser du néocolonialisme européen, globalement, américain, et en particulier le néocolonialisme de l'État français. C'est ça le problème. Donc on est dans un... Les Comores, on est comment? On est dans une sorte de colonie. Donc on veut redonner on veut reprendre notre dignité. Et notre dignité, elle passe par cet espoir que l'AES donne. Et on a été très content d'être accueillis par les patriotes maliens, mais également par les autorités maliennes. Et on remercie Son Excellence Assimi Goïta, hein, et tout son gouvernement, les 5 colonels, pour le travail formidable qu'ils font au Mali. Et on espère, comme il le dit le président, qu'ils vont se représenter aux prochaines élections et qu'ils vont la gagner. En tout cas, les Maliens, ils sont derrière eux. Et nous, on l'a vu. Et ils sont tous derrière eux. Et en particulier, la jeunesse et les femmes. Donc si on veut réussir, et là je rejoins ce qu'a dit ma sœur Sania, c'est que l'espoir, elle est dans cette jeunesse et celle des femmes. Donc à chaque fois qu'on peut avancer en Afrique, il faut qu'il y ait les femmes, il faut qu'il y ait la jeunesse. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à cet espoir que représente l'AES et le panafricanisme. Voilà. Ça n'est à quelle conclusion il tire Harouma, il a su qu'on nous m'a causé fanya, Harouma est tourné, il sensibilisation m'a causé fanya. Quelle conclusion aujourd'hui, il y a un gars, il y a comme moi, il y a même pas là. Que c'est pas terminé déjà. On a d'autres choses, il y a d'autres choses à faire qu'on va travailler, mais on peut pas dire là, mais au fur et à mesure. Donc on continue. Même si j'espère que le 26, on arrivera, avant le 26 mai, on arrivera à faire sortir Azali. Mais si on n'arrive pas à le faire sortir, je dirai au peuple, c'est pas terminé. Non, non, parce que beaucoup disent, si le 26 Vous mai, avez un doute? Vous avez un doute sur doute ça? de... Nous, qu'Azali continue à... Non, On est il va me... pragmatique. Non, On est non. pragmatique. Voilà. Voilà. C'est surtout ça. Nous, le 26, nous, pour nous, c'est fini. Pour lui-même, il n'a pas été, il n'est pas président depuis 2021. Pour nous, il n'a jamais été président depuis. Mais voilà, vu qu'il a l'armée, il a un peu le pouvoir, il a l'argent et tout ça, il profite de ça. Mais beaucoup, ce que j'entends, c'est oui, il faut vite le faire sortir avant le 26 mai, parce que si c'est fini, il passe le 26 mai, ça y est, c'est fini pour nous. Moi, je tiens à dire que si d'ici le 26 mai, on n'a pas réussi à le faire sortir, qu'il a fait son investiture, que ce n'est pas terminé. Au contraire, c'est là où ça va vraiment commencer. Parce qu'aujourd'hui, on a compris. Avant, on n'était pas de moi, 2000, quand il était là, là, 2021, on attendait, oui, le 26 mai, 26 mai, 26 mai. Qu'est-ce qui va se passer? On a vu que ça rien se passait. Donc aujourd'hui, moi je dirais, même si le 26 mai, c'est pas passé, mais on n'a pas perdu. Au contraire, maintenant on a des autres forces à côté qui nous suivent. Azali, avant, il faisait ses complets qu'avec la France. Il se mettait dans les médias avec les Français et tout ça. Aujourd'hui, il est rentré dans l'Union africaine. Quand il est rentré dans l'Union africaine, moi j'étais contente. Parce que comme ça, les gens, ils vont le connaître, ils vont commencer à voir qui est cette personne. Parce qu'à chaque fois, on dit, le président, truc. Il commençait. Le fait en Russie, ce qu'il a fait, c'est culotté.
de De dire, moi, réfugiés. je serre pas la main aux putschistes. Et toi, t'as fait quoi? T'es le premier. Et toi, t'es le pire. Parce que, oh, au moins, ils sont putschistes peut-être, mais ils ont sauvé leur peuple. Mais toi, t'as fait quoi? Tu nous as mis plus bas que tel. Il ne nous a pas sauvés. Il s'en fout, il pense qu'à lui. Et pour que nous, on réussisse, comme le président dit, c'est que nous, on n'a aucun intérêt. On n'a pas d'intérêt. On est On désintéressé. est désintéressé. Voilà. Et c'est ce qui va nous faire réussir notre combat. Les Maliens, ils nous ont vus quand on est allés. Ils étaient surpris par rapport à ce qu'on avait dans le cœur. Ils nous ont compris. On a pu parler, s'échanger, se donner des conseils. Moi, j'ai reçu les femmes maliennes. On a discuté et tout ça pour voir, voilà, comme moi, je leur ai posé la question, comment vous avez fait et tout, pour tout. Elle m'a dit, Sania, vraiment, le combat, vous allez réussir grâce aux femmes. Parce que nous, on est vraiment dedans. Hein? On ne veut pas laisser nos enfants mourir. On ne veut pas laisser nos enfants sans éducation. On veut tout ça. Donc, on s'est mis vraiment dedans. Et donc, elle me dit, je vous conseille, vous, les Comoriennes, de faire la même chose. Ne laissez pas vos enfants. Ne laissez pas. Au Ne laissez mari, pas quoi. seul, voilà. Au mari. Voilà. Et là, on arrivera. Vraiment, c'est ça. C'est le conseil qu'ils m'ont donné. Soyez ensemble, soyez unis entre femmes. Battez-vous, ne laissez pas et vous réussirez. Et moi, c'est ça que je dirais comme conclusion, que même si le 26 mai, s'il passe ou quoi, qu'il fait son cinéma, parce que moi, pour le cinéma, pour une personne qui a été présidente de l'Union africaine, avoir que cet président venir le féliciter pour son truc, c'est du n'importe quoi. Lui, il a été quand même le président de l'Union africaine. Il connaissait plusieurs présidents, au moins 50, c'est combien en Afrique? 55, 50 pays. 50 pays. Donc, sur 7, tout le monde comprend que t'as rien fait. Même dans l'Union africaine, t'as rien fait. Au Comore, t'as rien fait. Il a pensé qu'à lui. Donc, il reste là, penser qu'à lui. Mais un jour, le peuple va se lever. Et là, il n'y aura plus de penser qu'à lui. Après le Mali, quelle sera la prochaine étape? Vous verrez, Vous vous verrez. verrez. Mais il y a plusieurs Il y a pays. plusieurs pays. Maître Mchinda, Wananou, Non, en soi, ici, il soit là où. Si à sa Comore, Kaïsi de Ouyo. Ou à Comore, vraiment, ou à Tindi Thomas. Deimana nuambia omba narifikiri fete nari narangarie mashababi wani mordali vice-president Arongo mashababi na wanawashe labda watoka sura ina labda watoka kombativite wakomoru waelewe mbano lazima wawanie nchi ushababi na wantuwashe de wasi wanturafanya siesta leo. On est en échec. Il y a des On est en échec. Bien sûr, Wawalioho, le Wajikaza, voici ma candidat, voici ceci. Non, il n'y a rien. Il échec qui trouve, Kavasi Ntongo. Est-ce que vous avez dit que rien n'est trop tard? Rien n'est trop tard, exactement. Et puis, on est obligé. Maintenant, c'est notre pays. Kavtsolam Twangina Winguna Shuka. C'est notre pays. Leo na walishezi orgueil zao na izi mtini izi kahari zao. Voilà. Manam wajifanya antu inza kahari. Manjao, manjao. No? On est en échec, il faut l'avouer. Leo na riji remete en question. Hein? Riba ki vani pendant un an, ri prepare mtini uzia zivote za azali. Il les a fait. Et il a fait exactement ce qu'il voulait. Gwanzima, namna kota, voilà comme voici Mtamzi, wasalia, wasila, oh, mais vraiment c'est ridicule. Wanu antu kana haya. Ma wan kana haya, wanu wakomor wakolazimu. Je t'assure, wanyungwe mwono aumtaji tie tambo ajue. Maana zitobia zao. Usimezi wakati Said uka Moroni, Katu wazivote wa antu wa subutu wa himemba. Ah, bandazali atende wa mde na mlunga dingoni. C'est quoi ça? Ils sont ridicules, ces gens.
Et avant même si dans vos têtes Azali Kweli il a gagné les élections donc wa ça ok wa ville ouais c'est du n'importe quoi va voir toi c'est Kubal bah ou toi siasa ou ma vamana ou ma opposant tout ça c'est faux voilà Zambouza ou à Comore ils sont pas bêtes wa c'est les wa fête bah les manipulations wa le wantu wa yezi des awa tia shugulbe rien wakati rakuambia mba ee karsenda haruma vote resintini wa ima pia wasenda mana ishechi la facilite siyasa akomoru mtu urongwa ye upoza se la facilite c'est ça donc on a compris tout ça Saïd suambia mba il n'est pas trop tard resita wakomoru wajila mwe waelewe wanwarongo wantu wa siasa warongo wa maopoza jau jau zo pia se demo mode se demo zilio vide kavasi opoza a lionairolia hi kavasi wantu wa skensi faransa walio faransa walio komoro wa skensi wa silinda ati personne ne bouge pour chercher là où il peut ce qu'il peut faire pour libérer le pays donc y conclusion les wa kusa onzi sebe réalisé conclusion parce que tu andana aussi c'est profiter au le monde wa charia profiter holiho yunamna wa kiyé et proposition ya maître Mzimba ou soit on fanya révision armaze ze charia armaze constitution la haula wa la quwete vraiment o Mzimba o c'est un ami je o mtuna kana estime na wa fasa ni smona mauri atende uri mizi sincèrement et là tu me fais vraiment tu mets une question là désolé Mzimba mengon mo wantu histoire mazakomo Mzimba usidalemba Mzimba uka ministre des affaires étrangères intini ihule intini ihukopesha ilazimu wilive sondo para waifanya complaisance na Azali kasi jua mbavale wawe opoza wahe wawe rien du tout. Donc Mzimba tati simishili ya skuzini. Welo hale na kofikir mba ule mwanadamu aliyo na direction. No, je trouve qu'il divague. Maurni wantu wale kawa wamizi wale. Et pourtant Mzimba c'est quelqu'un de digne. Ana maisha he, ana hazi, ana maisha he ya trace. Mesusu nompara azela huzi ni salini. Mtu ikomba watsojo msomo. Umsomo ilmu, umsomo akili, umtini. Non, je ne peux pas accepter ça. Vous qualifiez ces proposés de propos dangereux C'est irresponsable. Des propos irresponsables, des propos indignes de quelqu'un comme lui. Je vous assure, mais si c'était un idiot, on dit que ce genre de Kensvani ni commenté, proposa Zando Viola ou le journaliste me le violé. Machin. Non, parce que je le considère à un niveau ya hambani. Mais Mzimba, j'étais déçu. Ou le ambassadeur, j'ai eu ma manipulation. Comme mon nom a face comme ça, je m'en bien. Je m'en bien, maître, c'est ce que tu as dit, vraiment, c'est irresponsable. Nawa, wa komor, wa kasi, kato, pardonne. Parce que tu devrais être sur la bonne voie. Ce pays t'a fabriqué. Il a collé il rendait. Mais ou non, qu'on se rendait au pays ou s'il fallait entrer aux autos. Voilà, il y a des choses qui sont bien. Donc, pour revenir à la conclusion, Saïd, les INI coordinateurs à Rongo, voici Mbanatu, les voici Houta, les hauts, le système INI richangé. Système INI richangé de gré ou de force. Hali yangine insiatu ito kangamani. Yon tonge handa. Tonge ya vili. Sija armaz proposa vice-president. Wakumori nari lishe i kahariyatu, lishe mtini orgeyatu, harizatu. Be hari yode nguo ya shetwan. Shetwan da kaona harita apara vale apara. Ritafadwa li relewe amba wantua rééchouer, rejouer, rectifier et tire. Et il n'est pas trop tard pour notre pays. Et puis, dans le pays, il y a des gens qui ont
Le Conseil national pour la restauration de la République a décidé, en Bimbanaini, Azali n'a passé le 26 à se passer des cartons banafas. Comme on l'a été toujours, si Imbana, si Djarada, Rijoué, Azali, quel que soit Wakati, Rum capturé Souko, Rum Hukumu, Hukumu, le Hanzi Zacharia, Zi Adjalei Fanye Komor, Nazo Af, Ati Zingama Stimba, Komor, Rangu, Alionaye, c'est en parallèle. Voilà les conclusions. On a appris aussi que Joanne Makatiamishan a entendu parler de Kengabo, qui a arrêté. Watoto wafanya des mouvements, va, il y a tout ça. Mais, zizo si balamfia, na isirikali, wao kasi na tashuguli. Nzuwa no va toujours varore, wao kasi na shuguli. Wao de Moroni, vani ntongozo pia de Moroni, ili wainyese ma diktatoru. Watu ja onaka waja, ambano tu va bien, tini. Kasi na tashuguli. Watu jua wabaki uta warote, nzuwa no kasi na shuguli. Mana wana ingazija yo itosh wafanya intinya. Donc, wavo mwezunga tori shida karsi juwa zintongo halizito turne usuku zinizija. Mahaba. Voilà. Karjuwena ni ufanya tur, hana kawujunge na mesaje hau wasuya juwa uhamba, hau suala raduwa za ratu levo kebano, na mzimandani afanya turu, ili jujuka misa, abisa arjole saarmu. Non, moi, ça y est, j'ai pas vraiment de choses à dire. J'ai vraiment tout dit, à part qu'on soit unis, vraiment ensemble, et on va réussir. C'est tout ce que j'ai à dire. L'unification, elle est vraiment importante. Bon, moi, je voulais remercier le président et la sœur Sania, la présidente de Mabeja, quand même, parce que... ils ont fait une belle conclusion, donc l'unité et puis la conclusion de maître. Je pense que ça suffirait, mais je voulais simplement dire que il faut absolument, on sait qu'il y a le 26 qui arrive, mais il faut absolument polluer cette cérémonie. Moi, je lance un appel à la jeunesse et leur dire que il faut vous mobiliser pour empêcher cette mascarade. Qu'on réussisse ou qu'on réussisse pas, de toute façon, Azali, on le lâche pas, on la lâchera pas, lui et sa clique. On le lâchera pas. En tout cas, ni celui au CNRR, on a fixé cet objectif que avant ou après le 26, peu importe. Mais là, on a quand même le 23 et le 26, il y a déjà quelques mobilisations dans les îles. En juin, ça a été dit à Moïli. Et maintenant, il faut amplifier ça en Gazidja. Il faut absolument l'amplifier et faire en sorte que l'on empêche ou qu'on démontre à tous ceux qui voudraient, qui seront tentés, et les dictateurs et le néocolonialisme qui vont soutenir Azali pour cette investiture, mais aussi tous les autres, les hypocrites, ceux qui croient qu'on a un pays. On n'a pas un pays encore. C'est un pays encore à construire. Et jusqu'à preuve du contraire. C'est un pays où il faut regagner sa dignité. Et donc, une dignité qu'on nous a volée. Et ça, nous autres qui ne sont pas nés là-bas, mais qui n'ont pas grandi là-bas, mais qu'on aime ce pays, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de l'aimer. Mais quand on dit on aime ce pays, on ne déteste pas non plus les autres peuples. Donc, ils savent de qui on parle. On ne les déteste pas. Mais on déteste ce système colonial. Parce que tu as posé une question fondamentale tout à l'heure en disant est-ce que vous voulez vous éloigner de la France et tout ça, nanani. Bon, écoutez, nous le peuple français, on le respecte. C'est un peuple, voilà, on le respecte. Mais les politiques néocoloniales de l'État français, non. Non, non, non. Non, 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 non. Et ça, on appelle à la jeunesse. Parce qu'ils sont complices. Totalement. Totalement. C'est pas plus qu'ils sont complices. Ils sont aux côtés c'est une néocolonie chez nous. Ils sont aux côtés d'Azali. Ils ont choisi leur camp. Ils ont choisi leur camp. Ils n'ont pas choisi le camp du peuple. Ils ont choisi le camp de leurs intérêts
et des intérêts de Azali et de sa petite bourgeoisie, au détriment de ceux qui souffrent à Anjouan, de ceux qui souffrent en Gazidja, de ceux qui souffrent à Mouili et de ceux qui souffrent à Mayotte. Parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent. Et on l'a vu avec ces opérations Wambushu 1, Wambushu 2. C'est les intérêts néocoloniaux qu'on défend, jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas les intérêts du peuple. Et ça, non. Niet, nada, nothing. Voilà. Et j'appelle à la jeunesse de se mobiliser, aux femmes de se mobiliser pour empêcher cette mascarade. En tout cas, on peut dire qu'il n'y aura pas les trois pays de l'AES là-bas. Parce qu'on leur a expliqué que ce que la vice-présidente a dit par rapport à l'affront que Azali a fait en Russie, lui qui est un putschiste, récidiviste putschiste, dire qu'il ne sert pas la main à des valeureux soldats qui ont sauvé leur pays du terrorisme et du néocolonialisme, c'est, on va dire, c'est à mourir de rire, voilà, totalement. Voilà, moi, donc je réitère mon message à la jeunesse, aux femmes, le se mobiliser. Il ne faut plus lâcher Azali jusqu'à ce qu'on le termine. Voilà. Il faut beaucoup plus que ça. Bien sûr, il faut beaucoup plus que ça. Parce que on m'a opposé à Wakomori, se déplacer, attendre. Bah oui, parce que ce sont des gens qui ont des stratégies intéressées. Nous, on l'a dit tout à l'heure que nous, on est désintéressés. Eux, ils veulent reprendre des postes pour refaire la même chose, ce qu'on a connu depuis 50 ans. C'est-à-dire la misère et l'humiliation totale, hein, et la mort. Hein, donc, nous, c'est pas ça. Nous, on propose un autre modèle. C'est le modèle du panafricanisme, souverainisme. Hein. C'est ce modèle-là pour nous redonner notre dignité et développer le pays. Et ce modèle-là, il s'oppose au néocolonialisme. On ne peut pas faire de dessin, c'est très clair. Et la jeunesse a compris. Hein. On voit les jeunes qui ils mettent certains drapeaux, je ne vais pas citer les noms, ils ont compris. Comme la Voilà. Russie. Je ne sais pas, mais ils ont compris, c'est ça. Ils ont compris qu'il faut changer. Hein. C'est quoi les dangers, selon toi? Danger, c'est-à-dire. C'est le danger où si demain Azali continue, il réussit à finir l'investiture. C'est toujours qui gagne du temps, c'est ça le danger. Mais au final, on l'aura. Inch'Allah, on l'aura. Voilà. Très bien. Voilà, c'est tout. Marhaba, on trouve quand même une chaîne libre de Comore, Murongo ambao ti invite sept chefs d'État wa jao. Oti ma sile ma chef d'État wa représente continent africain. O wantu ma isolé. Ma chef d'État wa o mana soit o ma dictateur. Wantu wa si joa fête zi poids lourd zay Afrique. C'est pas ti surongo adzina. Wantu wa si joa. Donc, Azali kasina djirma. Et au Canada, s'inviter Afrique, à ma Afrique, non, parce qu'il a tout faux. Vous voyez, dictateur, vous voyez, Ntiaye Ayoudou, on doit 6 jours à Bazala, à l'idée en France, et Maore, zi tambouzoua par ou djemazat Maore, Azali, ka par ou fanyatam na communiquer. Awa mambia Macron, bah non, tijao, non. Si mwanadamu huji viaziza na hu dina mbavale wa ye chef d'état na non, Azali kasina jirma et puis itare ito mkondane gravement yo na wayjue tajeli afanya maha hamsini na itare ito mkondane Azali amba mengoni wantu wangamiza ikomoro c'est ça jela kana mtu basi asim conseil fete atumwambia mba le plus tôt sera le mieux yani alishe girila na bezini bon surongo amena si jo mba il va pas changer
Cela dit, Wassir Sambia wa Komor, ba Komori nari Keva Moja, désigné vice-président Azrongwa, nari Wane, ne système ze za coordinateur Arongwa, système néocolonial. Il système France-Afrique, qu'est-ce que c'est à la mode? Il démodé la France-Afrique. Nakulamtu atoja mwambie ni wa Komoro ba vale wa misifanya jao mana Faransa arambia ronane rifanya mahadisi yo laha kulamtu atsofikiro namnaye yo nehema na tsarongowe wantu wafikiriwo ba wantu wa rilio Faransa vani waenda ukedorse na huregea au zo hadisi tu fo wanadamu ajambie ba dunia ibuzu avenir ya tu Komori ya de Afrique naribuzuze ikibla ribuzi Afrique c'est pas le Quai d'Orsay ni la France ni ceci ni cela voilà yede nchongo muhimu rtsarirongwe vani isenerer na kaifanya msafara unaoenda Mali maana wao watu maavize wanunki wao siro shingazijali nsorongo tani ils sentent là où il y a le progrès. Voici, ici à Saini, Karayan de sa Vojana, rien de sa aller, ici joue à un jeu. Voilà. Donc, Wakomor, Runge Mono, Armé Mbaneni, le 27, le 26, Azali, Asparo, Fanya, Investiturine. Maintenant, on dit ça le soir là, en bas, ou à ma opposant à Rungo, en bas, ou à toi, Sende. Et non, kaya tosha, il a dit, tu as zié. Ou enda, ou kawa, tu kawa, enda, na ouzia, yon trop ta faute. Il a dit, tu as zié, investiture isfani. Na zindia zavat, des peuples ou soulevés. Voilà. Marhaba, marhaba. C'est clair. Kaum kaurunga ruma chef de kaurunga beka sida cinema bedja ne panafricanisme o ka huja wa onese izefikra za husu zihazu ka do azifanya o ka ungwa afanyo tourneo haruma hun Europa ne atiza Afrika ho sensibilize wa Komori na ma Afrika waje wasedie e komba mwishe namna wone sabanu wo handani de unite ka o gebidu hana mwana mkomori ka nguono e danger iliyo haruma nsi yokaya wandu wake vadzima wa wane ne dictature kaongo ambao ukaya kabati namna yokaya e azali asmani ya juu ya continue parce que do continue ya bwentinge do yazidi haruma hatwar waonesa ngozi nji wa surtout waonesa banu kaya e tomayangi surtout jibaze haruma ye jeunesse ne noa ne mrumshe mkomori ukaya ngebidio ye jeunesse wa jimobilize hawe nji ne mrumshe mkomori wajimobilize husu imba na inu ili ijujo avance ili ijujo pangayo dingo hii ipingwa ni swati na waji auka ketu bidi wandu wale mewe oui c'est pas facile oui c'est vrai on est sauvano shange bidu wandu wa continue wandu waji sensibilize wandu waji motive ili wandu wawane ne politiki inu paske wazamba andro pa kangwa onona azale asumani ba shango wanao ne sistemu mbi iliyo harumayensi ya tungeza imasiwa ya povreha watu hata nongo kawezendao waone sabani wajau kaya hana mwana mkomori kawo duwanomba na inu ngujujo jiranda lideri ewi ngujujo wake lideri ya heze mwana zaha ya jimotive ili ya selie mrati duwana duka haba numpa kati ono mru hata hende no vanu ibaki okaya wanu wa soveo litoa ifala komori iyo de namna ukaidiyo mgeheni mru na jirande lideri hembu wana uyo epingu ambao wajau wa komori kwa mwajon rodani watibulie ye investiture inu ipase parce que abo yo échec ya saya debidio wa Komori ka do londa ni wajimobilize ndondondo nawo ngombo mungu o wajeni ukao do wa rakontro yo wajewa wasedia haruma embo na inu hama metre mshinda hazamba yabo hamba wi ngarta ho wajeni waja wa Afrika wajewa wasedie vi l'experience wo walonio wajewa wasedie haruma embo na inu iyo tsiwona haya iyo de namna ka wandu wanzo walekeze wanu ngono haruma bwana watukufu kam karudunga haruma ishen lib de Komori mbaviru jo mombia ni nyir nimlo yabo ewi banunga mjuju tsanga banyu mlo yabo hana mruka ngutukiwa ne system mbili yo ne namna nti iliyo ngujujua ya partage
hana mwanamkomori ya hunde bahati ya dunge emiso inu ya jelewe ili yaone namna bahe yogujua ya tsange haruma ila sosiete ya hatu amge na mpartaje hawinji ili ya emisyo wanu wenji wa komori waluhu ndani kwa usurtodo wa rongozi wa uhaku wa parise ye video kwa ude raifanya inu ili washindi wa ilewe zi anjwe ziliyo ni namna zi hatuaru kwa ungwazone sobanu ziliyo hata mpaka nabu ngarjoka za kifu ya barna majatu na mshukura na mbosha la maraba nyanu kwa mrengu wakati wahanyu mwishi ya mbrute na mpartaje ze video zinu ili wanruwenji wa komori waelewe mesaju kaudi ya kobe wabano doho humba mungu kamungu avenze nyezi mungu ya tukizensi ya hatu nyezi mungu ya jene aman insha Allah ta'ala nyezi mungu ya jene ruwa nero insha Allah ta'ala numbashala marahaba marahaba watukufu wa mkutari wa mungu sata shukra marahaba salamu alaikum salamu